Bonsoir à tous, vous l'avez vu dans le titre, ça fait bien longtemps qu'on s'est pas fait une petite vidéo collection, un petit peu suivi du full set, vous êtes nombreux à m'en parler très souvent. Je pense que ça fait un an et demi que je vous ai présenté le fameux document que vous êtes très nombreux maintenant à utiliser d'ailleurs, et que je mets à jour progressivement. Je vais d'ailleurs profiter de cette vidéo pour vous rappeler comment on s'en sert de ce document. Mais avant toute chose, très très important, avant que vous quittiez cette vidéo, là, on est quel jour? Samedi, normalement, au moment où sort cette vidéo. Ce soir, 18h, je suis en live. À 18h, premier live de la chaîne. Je vous mets le lien en description, évidemment. Doc7 TV, vous pouvez me trouver très facilement sur Twitch. Voilà, on va se faire un petit truc chill, les gars. Vraiment, on reste entre nous. Petite opening Yu-Gi-Oh! Je sais que Master Duel est sorti, vous inquiétez pas que je l'ai déjà bien poncé. Mais les vidéos Master Duel, les éventuels live Master Duel arriveront un petit peu après. Là, j'ai envie de commencer en vous faisant un gros live ouvert, parce que c'est quand même pour ça que voilà, hein, on est bon à ça. Yugi-Man sera évidemment présent, car on fait pas juste une petite ouverture. C'est pas juste à la recherche d'une gosse dans une display. Non, c'est bien à la recherche d'une rareté ultime, que de conquête de rareté extraordinaire dans une case. Ceci est une case. Il y a 12 boîtes de la toute dernière extension qui vient de sortir, Brother of Legend, Brawl. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce carton de 12 boîtes, frère de légende, Brother of Legend, B-R-O-L? Il y a peut-être une chance, d'avoir une Starlight. Il y a deux Starlights dedans, dont Dragoon. On veut choper Dragoon en Starlight. Je n'arrête pas ce live tant que je n'ouvre pas un Dragoon en Starlight, ou juste une Starlight, vraiment. Même l'autre, Léviathan, je serais content de choper une Starlight. Mais le Dragoon, vraiment, on crie. Bref, je vous attends nombreux. La dernière personne qui a ouvert une case, c'est le bon Zulu. Il n'a pas eu de Starlight. Donc, autant vous dire qu'on voilà, on va pas forcément en avoir une, mais on va tout faire pour. Et surtout, ça veut dire qu'à partir de là, peut-être une fois par semaine, je veux pas me mettre de calendrier ou de ratio pour pas vous décevoir, mais on va essayer de se faire ouais un live par semaine, ce serait sympa, sur du Master Duel. Maintenant qu'il est sorti, on va enfin pouvoir faire des vidéos assez stylées. Avec Zulu, on a une petite idée d'une série aux petits oignons. On va s'affronter, on va se faire plein de decks, on va faire chauffer la carte la plus importante à Yu-Gi-Oh! aka la carte bleue, pour se faire de très très bons decks sur ce jeu. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour ça, aujourd'hui on est là pour se faire un petit point collection, un petit point fichier de collection, fichier de full set. Pour ceux qui débarquent, je vous rappelle ce que c'est un full set, c'est avoir toutes les cartes d'une extension précise. Voilà, le full set par exemple de la display là qu'il y a, de la boîte de display Frère de Légende, je crois qu'il y a une centaine de cartes, un truc comme ça, peut-être 80 ou 100, je sais plus exactement. Bah, faire le full set de ça, c'est avoir toutes les cartes, y compris les deux Starlights qui sont rarissimes. Et moi, si vous me découvrez, si vous savez pas que j'ai cette envie en moi, eh ben, je fais le full set de toutes les cartes. Tout ce qui existe en français, les trucs exclusifs aux États-Unis, les trucs exclusifs en Allemagne, en Italie, tout. Voilà. Donc, pour ça, j'avais créé, il y a quelques années maintenant, au premier confinement, ceci. Le document, que d'ailleurs, vous voyez, il y a marqué Necrius, parce que Necrius m'a beaucoup aidé à faire ce document. Alors ça, c'est le mien. Je vais vous montrer ensuite comment avoir le vôtre, parce que c'est en libre accès, les gars. Vous pouvez vous faire le vôtre. Comment fonctionne ce document? Je vous rappelle très très vite. Guerrier Syntoniseur, qui vient du deck de démarrage 5DS à l'époque. Donc sa référence 5DS1 FR0101, c'est une commune, c'est un monstre normal. Si on change, en fait c'est une magie normale, qu'est-ce qui se passe? Paf, ça devient vert. Bon, on va le remettre en monstre normal parce que c'est un monstre normal. Là par exemple, Amabi, c'est une commune qui était donnée à tous les gens qui participaient à des tournois de remote duel là dernièrement. Donc bon, c'est une carte que j'ai vue passer. Je l'ai chopé maintenant pendant qu'elle n'est pas trop chère. Et donc voilà, il y a les références, etc. Et c'est tout automatisé, c'est-à-dire que par exemple, on va prendre une carte que j'ai pas. Voilà, par exemple, LCJW, le revolver dragon en commune, je ne l'ai pas encore. Imaginons que, oh, bah je viens de la recevoir. Par contre, elle est vraiment pas en bon état, elle est un peu déchirée et tout, elle est pour. Qu'est-ce qui se passe là? Bam, automatiquement, elle est rentrée comme étant dans ma collection. Pourquoi c'est important cette automatisation? Parce que là, il y a un onglet qui vous dit ce qu'il y a à savoir sur votre collection. C'est-à-dire, là par exemple, 5DS1, il y a 43 cartes dans l'extension, vu que c'est un deck, j'en ai 43, il m'en manque 0, j'ai l'extension complète. Il y a 539 extensions, j'en ai 249, 46% de full set de toutes les extensions, il m'en manque 290. Alors parfois, voilà, là il m'en manque 2 sur 25. Bon, voilà, c'est des AP, donc c'est des ultimates, c'est des cartes à 150 balles pièce, mais il m'en manque quand même pas mal. Oui, et puis évidemment, là par exemple, ça c'est considéré comme une seule extension, c'est la fameuse carte commune qui était donnée en cadeau.
parce que bah, une extension, pour moi, c'est plus la référence qu'il y a, quoi. 21cc, donc ça, c'est une extension facile à faire, il y a une seule carte. La première fois que je vous ai présenté ce document, j'étais à 30% du full set. Je vais regarder en même temps. Oh, d'ailleurs, j'ai pas liké ma propre vidéo. À l'époque, ouais, il était bien vide ce tableau. Hein. À quel endroit je montre combien j'en ai? Messieurs, dames, quand je vous ai présenté ce tableau, le 1er octobre 2020, il y a un mois et demi quasiment, j'étais à 38% du full set. J'avais tout juste 10 000 cartes. Voilà, j'avais 10 500 cartes. Et il m'en manquait 16 500. 38%. Depuis, ça a un peu changé. J'ai 23 000 cartes, messieurs, dames. Il m'en manque 6 700. Donc en un an et demi, j'en ai eu 10 000. On peut se dire que du coup, bah là, il me manque 6 mois pour avoir les 6000 derniers. Vraiment non, parce que typiquement, là, pour une extension comme PHRA, il me manque, bon, 3 ultras, Ferrigite est un peu chiante, mais 3 ultras, pas très compliquées, des secrètes, voilà, invitation du double avatar, si ça vaut 1€, c'est le bout du monde, hein, c'est facile à ça à choper. Par contre, il me manque 1, 2, 3, 4, 5 Starlights. Bonjour, 500€ pièce, allô. Enfin non, peut-être pas 500, mais 3 chiffres à chaque fois. Donc voilà, à chaque fois, il me manque des trucs compliqués à avoir. Par contre, des choses plus simples comme les communes, bah, c'est là-dessus que je me suis concentré en priorité. Je me faisais des gros achats de communes à des gars qui avaient bah, beaucoup, beaucoup de cartes en vente. Regardez, je vais vous montrer. Dans rareté, si on cherche communes, on peut voir qu'il y a 13 643 communes, ici. Il m'en manque plus que 1000. J'en ai 12 000, donc c'est vraiment, j'ai quasiment toutes les communes. Bon, là, il en reste encore beaucoup parce que il en reste 1000. Mais quand on compare des raretés, par exemple, Ultra, il m'en manque 852, il m'en manque 25%. Secrète, il m'en manque combien? Regardez, il manque la moitié des secrètes. J'en ai que 975, il m'en manque 829, des secrètes rares. Là, c'est facile, c'est des BLHR, BLRR et tout, mais là, quand on rentre dans des, voilà, des BPT, là, ça, c'est les secrètes des Tin Box aux États-Unis de 2002. Toutes les grosses secrètes, en fait. Il m'en manque trop. Ultimate, non, Ultimate, j'ai bien avancé. Ultimate, il m'en manque plus que 107. Alors, j'ai bien avancé dans les Ultimates, hein, vous voyez, il y en a 690, bah, c'est vraiment ma rareté préférée. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pris cette liste, donc ça c'est, ah oui, pour ceux qui comprennent pas, ça c'est toutes les cartes qui me manquent en Ultimate. Donc je suis allé sur CarMarket, j'ai copié-collé, je me suis dit, ok, ça vaut cher, je la prends pas maintenant. Toutes les Ultimates qui valaient moins de 10€, je les ai achetées. Donc là, je sais que sur les 107, ça vaut forcément au moins 10€. Je vous laisse faire le calcul, je vais pas les finir tout de suite. Ah oui, et là, les OP, voilà, tout ça là, hein. Tout ça, je pense qu'on est à minimum, hein, 50€ pièce. Mais en moyenne, je pense qu'on est à 75, voire plus. Hein. Voilà, un loi des ténèbres, assaut solennel. Voilà, on n'est pas prêt de finir le full set. Hein. Quand je vous dis qu'il reste 6000 cartes, c'est des cartes comme ça. Non, non, vraiment, vraiment, on n'est pas prêt de compléter ça. C'est pour ça que, pour que j'ai l'impression que ça avance, bah je, voilà. Là, je fais des gros achats de toutes les communes de BP01. Les rares aussi, j'essaye d'avancer dans les rares. Les rares, il m'en manque que 483. Ouais, parce que j'ai fait des gros achats de rares, parce que vraiment, c'est des trucs qui valent pas très cher, donc j'ai l'impression d'avancer dans mon full set. Mais au moins, et quand j'aurai toutes les rares, là, 500 rares, je crois qu'il y a 1000 communes. Et 1500, il restera plus que 5000 cartes à avoir. Ensuite, on ira dans les super. Il manque combien de super? Oh, il manque 1000 super. Parfait. Donc encore 4, il me restera 4000 cartes. Regardez toutes les CT là, ça, c'est facile à voir les CT8, CT9, ça vaut pas grand chose. Est-ce qu'il y a des super rares qui valent un peu cher? Ouais, tout ça, ça c'est des spéciales US, ça, c'est compliqué à choper. Donc j'ai encore de la progression à faire. Hein. Ça avance les gars, ça avance progressivement. Évidemment, il y en a beaucoup qui m'aident en allant voir ce document et en m'envoyant, voilà, si vous avez des petites super rares qui valent 5 centimes et tout et que vous savez pas quoi en faire. Moi, je suis toujours preneur, évidemment, ça me fait avancer dans ce full set. À terme, moi, ce dont je rêve, évidemment, c'est de pouvoir exposer ça un jour avec les différents produits scellés que j'ai sous la main. Ça, je vous les présenterai peut-être un petit peu plus tard. J'ai pas trop avancé dans les produits scellés. Je préfère vraiment me concentrer sur le full set. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah si, regardons en termes de langue. Il y a 2528 cartes exclusives en anglais, donc qui ne sont pas sorties forcément en Europe. Par exemple, BATTEN013 n'existe qu'en anglais. BPT, c'est les fameuses cartes des Tin Box qui ne sont sorties qu'aux États-Unis. CT6, ce sont des cartes de Tin Box qui ne sont sorties qu'aux États-Unis. DB1, ce n'est pas une extension qu'on a eue en Europe, ou en tout cas pas en France. DDS, ah, c'est vrai qu'il y a le Blue Eyes DDS à choper. Alors, si on le veut en version abîmée... Je suis mort. Ok, on le veut en Irmint. Ah ouais. Ah ouais, 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 ok, ok, très bien ça. Ouais, ouais. Donc moi, je veux cette carte. Ok, ok, ouais, on n'est pas prêt de le finir le full set. Hein.
Oh là là. Et encore, dans le full set, j'ai pas mis les cartes qui ne... ce qu'on appelle les press cards, les cartes qui ont été données que à des gagnants de tournois qui existent en 3 exemplaires et tout. Non, non. Voilà. Ouais, on n'est pas prêt de le finir. Hein. Et encore, regardez, si on regarde d'autres langues. Italiano. Je crois qu'il n'y a que 2 exclus italiennes, je les ai. German. Je crois qu'il n'y a que... Ouais, c'est des calendriers de l'Avent. 50, je les ai. Par contre... Ah, il y en a 3 en espagnol. J'en ai 0. Je me demande bien pourquoi. Allons voir cette carte. Voilà, en TFK, elle n'existe qu'en espagnol en TFK. C'est pour ça que là, il n'y a aucune offre. Hein. En anglais, machin, ça n'existe pas. Elle n'est sortie qu'en espagnol, dans un jeu vidéo. En Espagne. C'est un putain de serpent sinistre. Je suis mort. Mais les gars, pourquoi ça vaut 2 SMIC ? Non, mais non, non, à un moment, non. Non. Ah, lui, il a les 3. Bah voilà, tiens. Il faut les 3, non ? Les 3 TFK. 1, 2, 3. Bah parfait, lui, il a les 3. Bah, ah, pardon, vous voyez pas. Il a les 3, lui. Eh ben, prenons les 3 d'un seul coup. Je suis très très loin du full set. On a vachement avancé, hein. Il nous reste plus qu'un quart, donc c'est pas mal. Mais on en est loin. Voilà, écoutez, je voulais juste vous faire un petit point comme ça, rapide, sur la collection. Surtout, évidemment, pour vous annoncer que je vais être en live tout à l'heure. Donc, venez nombreux. Si vous voyez cette vidéo que le lendemain de sa sortie, c'est dommage, vous n'avez pas vu le tout premier live. Soyez indulgents, les gars. Je ne sais pas du tout me servir de Twitch. Je passe ma vie sur Twitch, je ne connais rien. Je ne sais pas comment on fait des sondages, des machins, je ne sais même pas comment on banne. Je vais découvrir en même temps que vous, d'accord ? Donc soyez indulgents, je compte sur vous. Et puis on va surtout très très vite se retrouver sur Master Duel pour des dingueries. Je pense que déjà je vais faire une vidéo juste où je joue. Je me suis build mon majou évidemment. Donc on va essayer de faire des vidéos où on est sur le ladder, donc sur les matchs avec classement, voir comment il fonctionne le majou. Et sinon, vous allez voir, avec Zulu, peut-être avec Ubel aussi, on va se faire des vidéos de dingue. Des trucs rétro, vous allez kiffer. Master Duel va révolutionner le contenu Yu-Gi-Oh! qui existe. J'ai pas de mots. Messieurs, dames, à bientôt. À tout à l'heure, plutôt, pour ouvrir cette case et choper du dragon. Yu-Gi-Man, sois avec.